Yo les gars, c'est Ensu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo défi. Ce défi est assez dur, surtout qu'il faut le faire en une seule partie. Donc vous devez visiter des nouveaux lieux-dits. Vous voyez que quand on clique dessus, il nous montre ceux-là, donc les 6 qui sont là. Mais est-ce que la question, ça marche avec Frenzy Field, celle-là et celle-là? Bon, je ne sais pas encore le nom des villes qui sont là. Mais la question c'est aussi des lieux-dits, donc est-ce que ça marche? Eh bien vous savez quoi, on ne va pas les faire, parce que ils sont en train de nous montrer 6 lieux. Donc on va faire les 6 qui sont là. Et on va pas faire les 3 qui sont là, parce qu'on ne sait pas si ça marche. Donc vaut mieux être sûr à 100%. Donc on va lancer la partie. Je vais vous montrer comment faire pour réussir à aller dans les 3 villes, les 6 villes même, les 6 villes en une seule game. Donc si ça revient à 0 à chaque fois, c'est normal les gars, parce que vous devez visiter en une seule partie. Il y a la technique du foire d'empoigne aussi qui marche très bien. Mais avant de parler de foire d'empoigne, on n'oublie pas le code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Ça m'aide énormément, ça me soutient. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Vraiment, faut pas l'oublier les gars. C'est... Je vous fais tous les défis, ça me prend énormément de temps. Ça fait déjà 2 jours d'affilée que je suis en train de tourner. C'est très long. Même si on dirait pas comme ça. Donc voilà, c'est gratuit, ça me soutient. Et donc pourquoi je vous parlais de foire d'empoigne? Parce que en foire d'empoigne, vous pouvez réapparaître si jamais vous êtes mort. Enfin, c'est très cool. Mais le problème de foire d'empoigne, faut faire très vite, parce qu'il y a la zone. Donc vous pouvez essayer en foire d'empoigne, mais il y a la zone, donc c'est très dur. Moi, je vous conseille pas. Mais si jamais vous faites que de mourir, allez en foire d'empoigne, les gars. Même s'il y a la zone. En tout cas, c'est parti pour faire ce petit défi. On va spawner directement à celui-là et on va faire le tour comme ça. Regardez, on va faire hop, 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 hop. Voilà. C'est le tour optimal. J'ai déjà calculé avec plein de sites internet. J'ai fait des calculs d'experts avec tous les millimètres approximatifs. Non, je déconne, je déconne. Mais c'est vrai que c'est le chemin le plus optimal. Ça évite de faire n'importe quoi là-bas, 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 là-bas. Voilà. Là, je vous montre le meilleur chemin avec les trajectoires les plus fines. Et on va évidemment trouver un véhicule. Je vais vous montrer un endroit où est-ce qu'il y a un véhicule. Comme ça évite d'y aller à pied, ça aurait été super long. Et puis, si vous voulez la petite pioche que j'ai et la petite émoticône, il faut faire les défis exploration sur ma chaîne YouTube, soit dans l'onglet vidéo, soit dans ma playlist Quête Fortnite chapitre 4. Donc c'est parti. Hop, on est sur le compte secondaire, comme si on était un abonné qui a pas fait ses défis. Donc c'est parti. Parce que oui, sur mon compte principal, j'ai déjà tout fini. Mais bon, c'est pas grave, hein. Les prochains défis, je les ferai sur mon compte principal avec vous. Sauf si vous voulez que je les fasse encore sur ce compte secondaire. Comme ça, au moins, peut-être que je connaîtrai encore des meilleures techniques. Parce que sur mon compte principal, vu que ce sera la première fois que je vais faire les défis, peut-être qu'il y en a que je vais galérer. Donc comme ça permet de bien vous montrer comment faire. Mais bon, c'est pas très important. Là, on se prend la tête. Donc le premier lieu, les gars, c'est celui-là. Si jamais vous n'avez pas les points. Donc c'est pas celui de droite, c'est celui de gauche, d'accord? Donc dans la neige, celui de gauche. Ok. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'il y a des véhicules juste après. Mais d'abord, on atterrit. Hop, on récupère une arme pour pas se faire tuer par des ennemis. Et hop là. On saute dans le vide, on s'en fiche. On n'est pas à 5 secondes près. Hop là. Un petit kill gratuit. Et donc comme je vous l'ai dit, il y a une moto juste là. Hop. Donc la moto, je vous montre sur la carte, elle est juste ici, d'accord? Sur où il y a le pont. Alors où est mon point? Il est disparu. Hop. Donc là, vous avez juste à longer la route. On peut même carrément rouler en même temps de boire des potions. Comme ça, moi c'est ce que je vous conseille, les gars. Vous buvez des petites potions. Le kit de sang, je vais pas me le mettre, vous savez quoi? Parce que 10 secondes, c'est un peu long. Et pourquoi boire des potions? Bah comme ça, si vous prenez des dégâts, bah, vous ne mourrez pas tout de suite. Donc on va directement à cette ville. On peut mettre le point à la ville prochaine un petit peu en avance. Hop, dès que vous voyez en haut à gauche 2 sur 6, vous changez. Et ne passez pas par les routes. Hop, faut clairement longer, vraiment les gars. Hop, vous mettez votre point sur votre cercle là, votre viseur. Et donc, vous y allez le plus vite possible. Hop, chemin optimal. En plus, la moto que je vous ai montré, l'emplacement juste tout à l'heure, en général, elle a beaucoup d'essence. Donc, ça vous évite de vous arrêter et tout. Normalement, la moto elle a pas mal d'essence. J'ai déjà testé 2-3 fois, même si c'est normalement aléatoire. Celle-là elle est pas mal. Et j'ai vu un ennemi, donc faites très attention. Donc c'est pour ça que là on va longer par là. On va juste récupérer, hop, le défi et on se barre. Hop, on se barre, on se barre, on se barre. Parce que j'ai vu plein d'ennemis, je pense que vous avez vu aussi. Donc vraiment pas besoin de rentrer dans la ville, faut juste la visiter. Hop, un petit bonjour et ça se casse. Hop, il y avait un mur invisible, très bizarre. Hop.
Le point, vous le mettez tout le temps. Moi, c'est ce que je vous conseille. Au lieu de d'avancer au pif, vous voyez que sur le chemin, il y a des voitures. Si jamais vous avez plus d'essence, normalement, ça devrait aller. Et puis en plus, avec la moto, ça vous fait un autre défi que vous verrez bientôt. Il va bientôt sortir sur ma chaîne YouTube. Et le nouveau défi, c'est pour rouler avec la moto. Donc, je vous conseille de le faire. En tout cas, c'est parti. Vous voyez qu'on gagne déjà des petits niveaux, même si c'est une quête d'étape, ça n'a rien à voir. Hop, le petit backflip presque. Faites très attention avec votre moto, faut pas la défoncer. Donc la deuxième qui est validée, on va aller à la troisième. Hop, oula 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 oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La moto pète un câble. Hop, le point comme je vous l'ai dit sur la citadelle. Oula 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 oula, il y a un ennemi, il y a un ennemi. Il y a un ennemi, il y a un ennemi. Hop hop hop, esquive 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 à l'autre. Comme je vous l'ai dit, la citadelle, le point est buggé. C'est-à-dire que quand vous allez mettre un point à la citadelle, des fois le point va être sous la map. Oula 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 oula, doucement mec. Et donc si le point est sous la map, c'est chiant, donc hop, mettez-le, rappuyez bien pour le remettre. Et on va aller à la dernière qui est juste là-bas. C'est vrai que ce défi est quand même dur les gars. Vous avez vu, il y a déjà un mec qui a voulu me buter. C'est vraiment très très dur. Je sais même pas si on va réussir. Je l'espère, hein, je l'espère. Mais c'est vrai qu'il est dur ce défi. Il y a un ennemi à gauche, vous contournez. Hop, on longe les obstacles pour que on soit protégé par les arbres. Hop, il y a encore un ennemi là-bas, j'espère que c'est un bot. Mais on n'est plus très loin, normalement ça devrait le faire. Et normalement si vous prenez le même chemin que moi, vous longez bien. Et voilà, c'est validé. 6 sur 6, on peut faire carrément un backflip. Hop. Wow, 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 stylé. Et même on récupère ça, hop. Et donc voilà, le défi est validé. Visitez les 6 lieux, hop, qui sont là. Je vous ai montré le chemin optimal. Donc on va quitter la partie. La vidéo fait presque 8 minutes, mais je vais pas parler pour faire la monétisation et gagner des pubs, les gars. Je suis pas un rat. Donc, on va directement récupérer ceci. Hop, et dans la boutique. On n'oublie pas le code créateur ENDSKW. Ça me soutient énormément. Le pouce bleu, l'abonnement et les commentaires. Allez, ciao!